El Koukoui, Tony Ferguson qui se dirige vers la cage. La détermination se lit dans son regard ce soir. Il a annoncé que ce combat n'irait pas à la décision et qu'il dominerait son adversaire. Nous allons très vite savoir si cette prédiction est du niveau de celle de Conor McGregor ou pas. Lightweight. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux combattants de cet affrontement. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, presenting the challenger, Paddy the Bandit Pimblett. And now, introducing the champion, fighting out of the red corner, ladies and gentlemen, presenting the reigning, defending UFC lightweight champion of the world, Tony El Koukoui Ferguson. L'arbitre pour ce combat, Erdin. Et c'est parti, le titre des poids légers est en jeu. Direct au visage, parfaitement exécuté. Tony Ferguson qui touche avec une frappe dont il a le secret. Parfait. Ok, joli leg kick. Une légère couture au niveau de l'œil de son adversaire. Ça doit piquer, mais ce n'est pas encore grave. Il doit y aller doucement pour que ça ne pique pas. Ferguson rate de la droite. Quel combat! Les deux se rendent coup pour coup. Pimblett qui part pour un takedown, mais il n'y parvient pas. Oh, quelle puissance!
quel début de combat, il n'a pas attendu. Ah non, il est passé tout de suite à la frappe, à fond. Il cherche à l'essouffler. Et il bloque son adversaire. Est-ce qu'on va assister à une soumission? Cette préparation ressemble fortement, en effet. Et il a repoussé le danger. Dégageant son bras, il a prouvé ses talents de défenseur contre la soumission. Superbe coup de poing malgré cette position de Ferguson. Il se prépare à envoyer de gros coups. Comme il est souple, super Robert Gard. Il est en position de side control. Position dominante, full mount. On s'attendait à une soumission, mais l'adversaire l'a parfaitement repoussé. Superbe échappé. Dernière minute de ce combat de championnat poids mouche. Bon contrôle au sol. Joli dégagement d'une position peu avantageuse. Il s'est redressé, ça va cogner. Le full mount. C'est la fin du premier round. Et le round est fini. Il saigne de la comète. Coupure assez rare, mais toujours impressionnante. Écoute-moi, tu t'emballes trop sur les takedowns, ok? Je veux pas te voir foncer comme un buffle. Tu montes ta garde et tu prépares ton takedown avec des coups de poing. C'est parti avec les moments forts du round. Et une frappe qui vient sonner son adversaire. Superbe frappe qui fait des dégâts. Et boum, son adversaire voit des étoiles. You ready to fight? Ready. Allez, c'est reparti. Violent coup du droit. Direct au corps de Ferguson. Crochet à la tête, super. Beaucoup de points qui touchent, il en est à combien là? Je vais vous aider, c'est facile. Bon, en fait non, il y en a trop. Et c'est raté pour cette frappe du droit. Super crochet. Encore un puissant crochet. La frappe avec le poing. Il a du boxeur en lui. Il y en a. Oh, le bon coup de poing, là. Il n'est pas venu dans ce clinch pour souffler. Non, il faut garder les commandes et montrer que même au corps à corps, il peut faire mouche. Fin de la jambe. Et ce coup à la tête ne passe pas. Joli direct au visage. Il frappe encore. Travaille fort dans ce clinch. Tout le monde est à la lutte pour prendre la meilleure position. C'est ce qui se passe quand vous maîtrisez la technique. Comme la stratégie est la même des deux côtés, c'est difficile de la dérouler. Ah, là, on voit bien le travail des épaules. Regardez, il vient de placer son double underhook. C'est bien amené. Je pense qu'il a changé de stratégie et surpris son adversaire pour pimenter ce clinch. Et ça connecte. Il le sort encore. Au tapis à nouveau. Oh, ses côtes doivent lui faire bien mal. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Side control, sa lutte. Il est en position de half guard. Full guard.
au retour en half-guard. Allez, une minute. Le passage de garde ne fonctionne pas. Oh, il est passé dans son dos, c'est dangereux. C'est la fin du round. Fin du second round. Et voilà, c'est la fin du round. Et on peut voir, Ferguson a reçu un coup entraînant une coupure au-dessus de l'œil. Respire par le nez, respire par la bouche. Voilà, bon, t'inquiète pas, c'est une petite coupure. C'est pas grand-chose. Mais il va vouloir la prendre aussi. Et voilà, regardez, sur cette frappe, c'est à ce moment que la coupure est survenue. Ah oui, et ça pourrait devenir un avantage pour son adversaire, parce qu'il va pouvoir continuer à cibler et essayer de toucher la plaie dans les prochains rounds. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Ready, fight. Ready. Round 3, c'est reparti. Joli coup de poing de Ferguson. Low kick, parfaitement bloqué. Cette frappe sonne l'adversaire. Oh, en pleine tête. Et le combat va continuer au sol. Transition de half-guard à side control et ça ne passe pas. Sur le renversement. Comme quoi, changer de position peut être spectaculaire. Un balayage qui lui donne l'avantage. Non, ça ne passe pas. Belle attaque depuis le bas. Excellent balayage qui l'envoie au sol. De retour en full guard. On revient en half guard. Ça ne passe pas. On en est à la moitié du combat. Il se redresse. Ah, il a bougé la tête au sol. Oui, joli timing pour éviter cette frappe. Et allez, le super ground and pound, le moment que tout le monde attendait. Oui, je savais que vous aimiez l'odeur du sang. Si en plus la technique est au rendez-vous, c'est parfait. Retour en full guard. On reste actif en position basse. Belle tentative, mais ça ne passe pas. 45 secondes encore pour ce round. Transition en full mount. On assure sa posture ici pour envoyer des frappes. Oh, il prépare son armbar. Oh là là, grosse pression sur le bras de son adversaire. Oui, et il sait de plus en plus sa prise. Et transition sur le ventre réussi. Et l'armbar pour finir ce combat peut-être. Allez hop. Bien, super. Bien, assieds-toi et respire bien. Reprends ton souffle. Bon, bravo, c'était génial. Super bon boulot. On va revoir les actions de ce round. Superbe takedown, exécution parfaite. On revoit la qualité de sa défense face à une tentative de soumission. Revoyons sa façon de défendre cette soumission.
Ready. On attaque la quatrième reprise. C'est parti. Allez, quatrième round. Et la pression qui va commencer à monter. Ah oui, il ne reste plus que 10 minutes pour aller chercher la victoire. Pas passé loin. Il rate son direct du gauche. Et la combinaison, encore une fois, que c'est beau à voir. C'est parfait. Mélange de frappe, changement de hauteur, dur à lire pour son adversaire. Oh, voilà, la soumission est en route. Attention, danger. Il faut aller jusqu'au bout, mais oui, c'est parti. Et il s'est extirpé de cette soumission. Et il a immédiatement lancé une contre-attaque dont il a le secret. On se régale. Il va taper. Il va taper. Cette soumission a été fatale à son adversaire. Voyons donc le replay du combat. Revoyons un peu ses ralentis. Il a gagné par soumission ce soir. Oui, il a été capable d'amener le combat au sol exactement là où il le voulait. Et il a imposé son poids. Son adversaire a craqué sur soumission. Bravo! Il peut être très fier de son travail dans l'octogone. Bruce Buffer qui va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 1 minute 45 seconds of round number 4. Declaring the winner by tap out due to a heel hook and new UFC lightweight champion of the world, Paddy the Paddy. Nous avons un nouveau champion lightweight de l'UFC. God damn, I've been ballin' all season, take another shot, put my...